Éternel Dieu du ciel et de toutes les nations de la terre, Dieu et Père d'Israël et du Congo, répands dans cette nation ta véritable et grande lumière. Visite dans toute ta gloire le Congo. Établis dans cette nation le trône de ton règne et de ta visitation divine. Accomplis et manifeste pleinement tes merveilleuses promesses et ta parfaite volonté. Très bien, vous êtes nombreux chez vous, dans vos maisons, messieurs et dames, amis auditeurs et auditrices de la radio-télévision La Louange, la chaîne Cœur de Lille, les chaînes, la radio évangélique au cœur de l'Afrique. Nous sommes là pour le compte de l'émission New Star Music, talent de découverte de gospel, dans la gospel congolais, si vous voulez dire. On est là chaque samedi. Alors, pour ce nouveau numéro d'aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous recevoir un homme de Dieu, la personne de l'évangéliste Ruffin Olivier Mungani. Alors, avec lui, nous allons aborder tout au long de cette émission son album Mbangundulu, volume 1. Il va nous expliquer comment est-ce que sa vision, la composition, les styles, quelles sont les langues dans cet album Mbangundulu. Merci beaucoup de rester branché sur les ondes de la RTL. Alors, du côté de la régie, c'est comme d'hab, c'est Gloire Ketani qui assure la mise en onde. Moi, c'est Fiston Mwanangani, Tonton FM. Comme vous voulez, vous êtes toujours habitué de m'appeler Tonton FM Mobutu. On est là. Avec l'évangéliste Ruffin Olivier Mungani. Alors, il n'est pas seul dans ce studio, il est accompagné avec son collabo. Il s'agit bien de frère Sylvain Mpongo. C'est avec lui, nous allons discuter ensemble à ce qui concerne cette émission, avec les projets, la vision de l'album Mbungundulu. Hein, c'est un Kikongo. Ah, les Kikongo se retrouvent déjà, je crois. Ah, tous les Bakongo qui nous suivent depuis Selembaou, depuis Congo Central, depuis Bumbu, depuis partout vous êtes dans les 4 communes de la vie parce qu'il y a des Bakongo dans les 4 communes. Alors, on est là. Merci beaucoup pour cet instant que vous accordez chaque samedi pour écouter cette émission New Star Music. Dans le DG, je reçois mes invités dans ce studio de la RTL. Évangéliste Ruffin Olivier Mungani, bonsoir. Bonsoir Fiston, que Dieu te bénisse. Je suis très content. Moi j'aime les bénédictions. Lorsque voilà. Vous me bénissez, il faut me bénir en voilà. Bloc.
Oui, voilà, et évidemment, donc j'insiste et j'affirme que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le travail que vous abattez, parce que lorsque j'ai découvert le nom de l'émission, mm-hmm. ça veut dire que vous êtes en train de soutenir les nouveaux artistes musiciens mm-hmm. que vous appelez déjà, que vous qualifiez de stars, c'est-à-dire des okay. personnes qui vont briller, mm-hmm. qui vont être connues et reconnues partout. Très donc, bien. Donc des gens qui sont déjà en fait élevés par votre vision. Mmh. Et donc, je vous bénis pour cela et je bénis aussi la chaîne qui nous a reçus. Merci beaucoup. Je vous garde encore. Alors, à votre côté, c'est votre collaborateur. Oui. Emblématique, moi je suis, on peut le dire comme ça. Frère Sylvain Pongo. Oui. Frère Sylvain, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. C'est vraiment un réel plaisir de participer à cette émission. Oui. Une émission qui cherche à faire évoluer. Ou à une émission qui vient mettre en jeu tout le musicien chrétien qui œuvre dans le domaine de Dieu, dans le domaine musical, mm-hmm. pour la gloire de Dieu. Très bien. Donc, vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, vous voulez participer à cette émission, vous voulez nous écrire avec soit sur WhatsApp, soit en utilisant les textos, les 089 66 75 8 7 9 089 66 75 8 7 9. Préparez déjà vos questions parce qu'on a un homme de Dieu dans ce studio. Vous voulez du côté spirituel, il est là, présent. Du côté musical, il va vous expliquer. Alors, merci beaucoup de nous faire confiance pour cette émission. Merci beaucoup à tous les fans, à tous les amoureux de Jésus. Et on est là jusqu'à. On va prendre juste une heure du temps pour c'est un peu de partager cette soirée musicale. Alors, dans le DG, évangéliste Ruffin, j'aime poser cette question à tous mes invités. Oui. Alors, qui est évangéliste Ruffin Olivier Mungani? Voilà, donc, comme déjà vous m'appelez, je suis évangéliste, c'est-à-dire ministre de la parole de Dieu. Mm-hmm. J'œuvre au sein de la mission divine L'Arche de l'Alliance de l'Éternel, à côté du visionnaire Mbama, bienvenue. Et moi, je suis berger. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, en dehors de cela, par rapport à la vision Mbangoudoulou, pas Mbangoudoulou, mais Mbangoudoulou. Mbangoudoulou. Voilà, Mbangoudoulou, qui veut dire en fait traduction. Traduction ou encore Kolimbo, Lanalingala. Et je suis le manager. Voilà, donc je suis manager de ce groupe Mbangoudoulou et de la vision Mbangoudoulou. Voilà. C'est le titre allemand, monsieur. C'est le titre, c'est d'abord une vision okay. qui consiste à interpréter en dehors de la langue qui est le patois, la langue nationale, disons j'allais dire les langues qui sont dans nos provinces. Donc c'est une vision qui consiste à interpréter en langue officielle et en langue nationale les cantiques qui sont dans nos patois pour que les gens comprennent les messages. Donc c'est d'abord une vision. Et cette vision-là a en fait trois branches. J'ai des émissions sur YouTube où on explique uniquement ces cantiques. Et deuxièmement, la deuxième branche, c'est le recueil. Nous ferons des recueils où les mêmes cantiques qui sont dans nos langues, on les écrit dans nos langues et on les traduit aussi en français et peut-être en lingala. Mm-hmm. Et la troisième branche, c'est celle-là qui est à l'origine du volume 1, c'est-à-dire la branche musicale. Donc là, maintenant, nous chantons ces cantiques. Voilà, dans le même style, c'est-à-dire dans la même vision, j'allais dire, c'est-à-dire nous les chantons en deux ou trois langues. D'abord en patois, tel que là tous les cantiques sont en Kikongo, mais pas seulement en Kikongo. Après avoir été chantés ou interprétés en Kikongo, nous chantons la même chanson en français et parfois en lingala pour que les gens comprennent les messages. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre Frère Sylvain Pongo. Frère Sylvain, vous êtes collaborateur d'évangéliste Ruffin, ça vous fait du plaisir d'être un collaborateur d'un homme dédié. Oui, vraiment, premièrement, c'est une bénédiction. Okay. C'est une bénédiction lorsque Dieu vous met à côté de son serviteur, mm-hmm. qui est réellement un serviteur de Dieu, mm. un homme que Dieu a choisi, parce que moi, je l'ai connu en 2008. Okay. Je l'ai connu depuis 2008 que nous sommes ensemble. Des fois, il est du côté de Brazzaville au Point Noir. Mais nous sommes ici, donc il vient souvent nous voir et travailler pour l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un plaisir. Et la vision
dont nous parlons aujourd'hui, c'est une vision qui vient des dieux, une vision qui nous a poussé à connaître ou à savoir des chansons qu'on considérait comme mélancoliques, c'est-à-dire des chansons qu'on considère comme tristes ou bien des chansons où on met souvent dans le deuil. Mais lorsque Dieu lui a donné la vision, nous avons par la suite compris que c'était des chansons qui révélaient la vision divine, qui révélaient les paroles de Dieu, qui révélaient l'amour de Dieu envers ses enfants. Mmh. Donc c'est vraiment des chansons qui nous bénissent d'une manière vraiment incroyable. Très bien. Alors, on vous garde encore l'évangéliste, le Michel bilingue. Hein? Le Michel bilingue, on va parler en français et via Lingala. Oui. Alors, dites-nous, vous êtes évangéliste depuis quand? Je suis évangéliste parce que c'est une vocation. Ok. Je suis prédicateur de la parole de Dieu depuis 2004. 4. Je prêche la parole de Dieu. Maintenant, l'appel à mon ministère, je l'ai reçu en 2005. 5. Donc, je suis dans ce ministère depuis 2005. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Oui. Alors, vous êtes plongé dans le monde musical après 2004 ou comment? Bon, en fait, vous savez, quand Dieu crée l'homme, hein, ou bien l'homme que Dieu a créé, il lui a créé avec beaucoup de capacités. Ok. Voilà, même pour, dans le cadre des langues, vous ne parlez pas seulement français. Vous ne va rappeler Lingala, comme ça, vous va rappeler Yalba, Tiluba. Donc, français, Lingala, Tiluba. Et il y a ceux-là aussi qui peuvent. Il va parler les Tiluba. Moi, j'aime les Tiluba et les Swahili. Ils peuvent parler aussi d'autres langues, anglais et autres. C'est juste pour dire que nous avons ça mon tour, la capacité est belle. En fait, tant qu'on a mis l'église catholique, tant qu'on a mis l'église catholique, tant qu'on a découvert l'église de réveil, pour ça, pourquoi? Parce que j'avais découvert, à l'époque bien sûr, j'avais découvert une autre forme de louer Dieu ou d'adorer Dieu. Et nous, à l'église catholique, c'était « Ah, kembo nanzambi, kuna nazulu. » Maintenant, quand je viens à l'église catholique, à l'église dite de réveil, le style change. Okay. C'est maintenant « Alléluia, Alléluia. » Trop classique. « Alléluia, na Yesu. » Et moi, j'aimais ça, en fait. Et après, j'étais surpris que le responsable du groupe de chantres, à l'époque, dans l'église, vienne me dire que non, Dieu a dit « Viens chanter. » Donc, l'orchestre. Mais dans la même période, un prédicateur, il était pasteur à l'époque, le pasteur parfait, que je salue, il vient me dire, Dieu m'a dit que toi, tu vas prêcher la parole de Dieu. C'est juste pour dire que non, je colportais les deux grâces sans compter d'autres grâces. Je marchais avec, je grandissais avec, j'évoluais avec. Voilà. Maintenant, dans le cadre de la musique, j'écris plus les textes musicaux. Vous écrivez beaucoup plus. Oui, oui. Voilà. Il y a déjà des livres, je crois. Bon, pas des livres. C'est-à-dire, j'écris des cantiques, des textes okay. Des cantiques. Donc, depuis 2003. Ça fait aussi. Vous pouvez aussi donner à un musicien, vous écrivez, vous donnez. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire et ça s'est déjà fait, mais c'est. Comment je peux dire? Il faut que l'esprit puisse me convaincre. Ok. Voilà, parce que je ne peux pas donner à n'importe qui. Le Christ dit à ses apôtres, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. C'est pas à vendre, mais il faut donner à quelqu'un qui va en faire bon usage, qui a aussi un bon dépôt, qui a aussi un bon témoignage, qui a aussi la crainte de Dieu, qui dans une certaine mesure a la même vision que moi dans le cadre de la louange et de l'adoration, c'est-à-dire élever Dieu, exalter Dieu et n'attendre de lui que ce qu'il voudrait nous donner. Okay, ne pas être cupide par exemple, ne pas être orgueilleux par exemple. Voilà, pour que le cantique soit puissant et garde sa puissance pendant des temps. Très bien. Alors, vous êtes rare ici à Kinshasa. Vous êtes à Ngambo, à Sokatsima et à Congo Brazzaville. Vous êtes en face. Est-ce que Roib Sabiso a une musique chrétienne? Il y a Ngambo Kuna. Hein, ça évolue quand même par rapport à... Bon, rare c'est un peu trop dit, hein? Ah. Mais ça dépend des périodes. Quand on a évangéliste, okay. Tantôt Dieu t'envoie à gauche, tantôt à droite, parce que j'ai déjà vécu autant de fois ici à Kinshasa. Mais c'est mon période Otozali, et Nazali pour le moment la pointe noire, et là je ne sais pas, Nzamba Kuna, Ngai Wapi.
La musique, il y a République du Congo, Brazzaville. En tout cas, je peux scinder ça en deux. Ok. Dans le cadre de la musique, bon, des musiciens qui font la louange et l'adoration classique que nous connaissons dans les églises dites de réveil, et je veux dire que non, c'est moyen. Parce que là, hein, c'est moyen, on ne peut pas dire que non, c'est au top, c'est moyen. Et parfois aussi, ça dégringole. Parce qu'on écoute plus les cantiques de louange et d'adoration qui sont produits ici au niveau de la RDC et particulièrement ici à Kinshasa. C'est-à-dire nous écoutons plus les pasteurs Moïse Mbillé, les pasteurs Atoms, tous les frères que nous connaissons qui font cette musique-là. Maintenant, par contre, et dans le cadre de la musique, et je ne vais pas dire peut-être traditionnelle, mais le style qu'on appelle là-bas le style Nsikumusu, c'est-à-dire on appelle ça des musiques de Nsikumusu, mm-hmm. qui sont beaucoup plus chantées par l'église Missioni, hein, et même, je veux dire, l'œcuménisme, c'est-à-dire l'association catholique, et catholique orthodoxe, protestante, kimbaniste et armée du salut. Ces cantiques qui sont plus en patois, en tout cas là-bas, Beniloane Ikwerate. Mm-hmm. Voilà. Beniloane, en tout cas, Ikwerate, ce qu'on met souvent dans les deuils. Wate no kedika, mavanga matome lulu samo, lusadila isumu kedika. En tout cas, ça a toujours été au top. Ok. Voilà. Bon, il y a une question, Ilinga Soussou. Bon, au quotidien de la musique, qu'est-ce que vous avez fait déjà en termes des activités, soit de production, avant d'arriver de faire l'album Mbangundu? Ouais. Mais je veux dire que vraiment la première véritable œuvre que nous avons faite et terminée, en tout cas, c'est Mbangundu. La première. Depuis que vous avez commencé. La première que nous avons faite est finie. C'est vraiment Mbangundu parce que c'est un produit selon les moyens. Makoko Nzamba Pessibiso, c'est un produit selon les moyens où Nzamba Pessibiso, où ils allient vraiment fini. Donc Nzamba a salibiso grâce et le produit est encore nouveau. Voilà pour tous les canabas chaînes pour Nakolobelayango, c'est-à-dire que ça la promotion, Kolobelayango, et on aura évidemment d'autres choses, d'autres actions à mener de façon que Vision et Yebana. Mais par contre, dans le passé, j'ai déjà aussi à enregistrer quelques cantiques. Mm-hmm. Voilà, quelques cantiques qui jouaient aussi ici. Quelques cantiques, c'était en 2012-2013. Donc ça, c'était les premières expériences. On se battait peut-être pour chercher les producteurs. Mais d'un cas, ma producteur, ils ont la Capinza facilité. Voilà, maintenant là, on a fait nous-mêmes une autoproduction. Mais la loi Nzambe. Mais je crois déjà que Nakozala futur producteur, potentiel producteur, et il y a artiste musicien base à la République démocratique du Congo, base à la République du Congo Brazzaville, en tout cas parce que je comprends la douleur de ces artistes qui ont beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, beaucoup d'envie de donner ce que Dieu a mis en eux, mais d'autre part ils n'ont pas de producteur, ne fût-ce que pour les aider à réaliser ça, enregistrement plutôt dans un studio. Et donc voilà un peu. Je m'attendais aussi à peut-être en dire que non, bon, je serai aussi partenaire de l'émission New Star Music parce que nous soutenons l'œuvre dédiée. Bon, moi j'ai répondu à la question par rapport à la musique. Voilà. Ok. Alors, on va parler du projet Mbangundu. Oui. Mbangundu, bon, vous avez expliqué en passant, mais essayez un peu d'expliquer ça, malève, parce que c'est un Kikongo. Voilà. Bon, moi je suis mon Congo. Mwanangani. Mwanabatu. Ah, alors, Naoki Rifan Olivier Mongani. Na Kikongo. Visa na Kikongo. Kikongo. Nathalie, papa Sylvain Mpongo. Musungai. Mais ce que côté où on a dit, si vous n'êtes moi l'icambo isali. Vraiment. Pourquoi ça? Attends, mon loup. Côté moi l'icambo. Mais associer, s'accorder avec un Mukongo, c'est une grâce parce que nous avons une ligne à la bombe. Alors dites-nous un peu, Mbangundu. Bon, Mbangundu, il y a vision, il y a un Congo, mais il y a vision, il n'y a pas une Nzambe. Pourquoi? Parce que Nzambe, il y a un Nzambe, il y a un Congo, il y a un Nzambe, il y a un Nzambe, en fait, il y a un Nzambe, parce que Nzambe, il y a un 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 Nzambe,
car la prophétie, la Bible dit, c'est dans Job 33, le verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point, garde dans Nzambe albara balolenge et belé. Et donc Nzambe pe albara nanzela ya luyembo, albara nanzela luyembo. Donc Nzambe a pesibiso vision en bangudula et bisibiso na baloyembo o ezana kati ya ezana minoko na biso, j'allais dire na lobela bato mingi, na lobela ba sali na ngai. Mais le ko la bango nous pas comprendre te pour balbara ki kongote, ba yo ka yangote. Na pisibino mission bo limbo le langai banzembo oyo bo bongo le langai banzembo oyo pour que batoba comprendre ba message bo nga nzambe na pesa bango bango bana na nzambe ba sai na nzambe pe batunyo so ya mokili oyo voilà c'est ça la vision bango dolo tant li kanise ya ki donc nzambe inspiré oui. Na projet oyo alors il s'agit seulement nous nzambe li boso oui il est là qui au nakati ya hein il y a projet où ils a gagné monnaie et puis c'était dans quelles circonstances voilà nzimbo les bousses là car nzimbo y a si loin Zambi nzimbo ils ont nzimbo si loin Zambi les nzimbo va qui imbangiste ok nzimbo où ils ont mis azul bela na biso basa en Zambi azul bato salamo sala y a Zambi na bousolo. Alors j'avais fait une vision, je marchais sur une grande avenue et j'étais tout près d'une grande église. Mais une amoni visionnaire à l'église, à l'alessi mondi mon konase, à zopi taye ma kofi. Nana leki natali, ma continue nzela langaï. Et après quelque part, j'écoutais maintenant et cette musique jouée. Si wazambi ou kasi la mouki mwana kiame. Dans le son, je me suis dit, oh. Mais nzimbo oyo na luka kayango, il faut na somba CD oyo. Na komi ko luka, nani aza ko beta nzimbo oyo. J'ai vu un commerçant ambulant, ba bato ba commerçant ba tambolaka. Voilà, na ba CD na radio na ye, azo beta na mona komandi mosika na avenue moko boye. Na landie, yitanga komi na suka a baloki. Tanga na komi na suka, na kutana moninga na ngamoko boya kala. Ina na yebi nzambe talbi rufin. Biso bezana na posa na ye. Na bini na yoto. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit en fait mon tona, pas à côté qu'à CD, c'était lui-même Jésus-Christ. Maintenant, ce qui jouait là, c'est le message qu'il nous adressait à nous les prédicateurs, à nous, comme on nous appelle, les dédis, les dadis, les pères, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, tout ça, la mosala et nzamé na bosolo, na lolenge et milema et bika. Donc, c'est le message central de ce refrain. Na lingala, tout ça, la mosala et nzamé na bosolo. Nabo solo, to salamu salayan zambe nabo solo, namo kili potobika. Donc voilà. Chanter à différentes langues. Pardon? Chanter à deux langues ou trois langues. Mais Mbangoudou, au bas de la bisoubaye, que Mbangoudou veut dire, to bongo yi nzimu. Donc, ce koyokango na ki Congo, continue na koyokango na katikati comme na français. Donc, ils ont bêta boué, ce qui va continuer, et qu'on a en français. Et qu'on a en Congo, premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet, en passant par le refrain. Après, écoute en français, premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, troisième couplet, refrain. Très bien. Alors, Frère Sylvain, il y a un petit commentaire par rapport à Oyo Papa Rifin Lobby. Oui, Papa, Oyo Papa Rifin Lobby, il y a Sylvain Zambi. On a eu la troisième année, on a eu une école humaniste. Okay. Alors de là, parfois on chantait ça, hein? On chantait. Mais je ne savais pas que les allégines dans le monde signifiaient Nini. Alors, lorsqu'à traduire en haut, on a eu ce sola, Eli Koloba Nini. Donc ça m'a été un Zambi si vous pouvez savoir ça. Maintenant, ceux qui va traduire qui ont voté, tellement que je suis aussi loup, je ne comprenais jamais qu'il est congolais. Ça coûte. Donc, vraiment, je faisais les choses. Mais c'est facile aussi de traduire ça en Yachiluba. En Chiluba, ben oui. Au Komeli, au Pisséga. Bon, dire facile, c'est pas vrai. C'est trop dit. Parce que nous, on a qu'un mot. En fait, c'est un don que Dieu m'a fait. C'est vrai que je fais des recherches, mais tout n'a pas pour maîtriser le Congo tellement. Mais c'est-à-dire pour traduire ça fidèlement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors,
très bien. La chanson c'est Si loin Zambie. Gloire Ketani, donnez-moi cette chanson, on va écouter. On va l'écouter ensemble avec mes invités. Et puis nous allons retourner juste après cette chanson. Alors, on est de retour dans ce studio. C'était là la chanson Si loin Zambie. Si loin Zambie. Voilà, Ilaka Yanzambi. Ilaka Yanzambi. Si loin Zambie, tiré d'album Mbangunduru, volume 1. Volume 1. C'est le volume de Pézali. Volume de Kozala, volume 3. Voilà, donc c'était là la chanson Si loin Zambie. Donc, chanté à Kikongo en français. Hein? Moi, mélange mouké. Ouais. Alors, juste avant que tu aies la deuxième chanson, moi, explication sur moi mouké pour la toi accompagner sous. Voilà, donc, Nzembo Oya Silwa Nzambi, Eza Mingi Mingi, ko concerné Basali na Nzambi. Premier couplet, Moussa na Nzambi, se rappelle que Outabo Mwa na Nzambi a pesa Ilaka, a tombola Moussa la Nzambi, a télémisa Moussa la Nzambi. Mm-hmm. Et la plupart des serviteurs de Dieu, Dieu les choisit depuis. Où tu as besoin de déjà Pessi va prophétie à Pessi Bilim. Mais tant que tu colles, tu as la canine. Voilà pourquoi on refraise le bas. Tu as la mosala en Zambé, Nabo Solo. Maintenant, deuxième couplet.
bazo yebisabiso topesa totia moti monte manabiso elika nabiso na nguya ya mokilité kaka na nzambe o azana bomoi. Dernier couplet bazo yebisabiso awa na setu za balekinzela biso basai na nzambe bien que mutu nosa samo lekinzela mais to kanisa na sima aliwa to kende wapi et pa ya nzambe to epa satan c'est pour dire quoi to sala mosala nzambe na busolo. Donc ça concerne surtout les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Voilà quoi, à la fin, il y a un message révélé. Ils avaient pas proclamé ce tozoloba concernant les serviteurs de Dieu. To salanza menabo solo, to longola oyamabe, to longola kisi, to lataye sonabo solo, to salenabo solo. Très bien. Frère Sylvain, il y a un petit commentaire par rapport à ça. Bon, nous avons dit que nous souligner. Nous avons toujours nous avons pour lui servir dans la vérité, dans la crainte et dans l'amour. Donc vraiment, ce sont des chansons, comme j'avais dit, ce sont vraiment des chansons qui vont nous bénir. Et puis vous ça va te bénir. Très bien. Vous avez des questions à poser à nos invités dans ces studios. Les numéros, c'est les 089 66 75 8 7 9. 089 66 75 8 7 9. Peut-être vous avez écouté la chanson du côté version Kikongo. Au lieu qu'il biente, l'évangéliste est là dans ces studios pour vous expliquer. Même dans mon coussin. Alors, aux Olandabiso, Moussika, partout, par-ci, par-là, c'est la radio-télévision La Louange avec cette émission New Star Music. Nous sommes là pour pousser un bandico, Bazo Sala Musique. Peut-être que nous sommes là pour Pénaté, mais nous sommes là pour Bazo Pena, serviteur, ma kasi, il y a lobby. Donc, alors, tu es trop quand tu es loin de Zambi. Si loin de Zambi. A expliquer Nzembo Boyoki. Maintenant, nous allons passer à la deuxième chanson. Oui. Alors, après Silo Nzambi, il y avait une deuxième chanson. C'était laquelle? Nzambi, il y a une bande de Silan Silulu. Nzambi, oh, il y a. Évangile Silobo, malé. Oui. Parce que nous avons un été. Oui. Que nous avons malem malem. Nzambi, il y a une bande Yawa Sila Silulu. Vous savez, je suis beaucoup moins, mais il y a des fois, je ne me retrouve pas. Vous êtes belé. Il y a tellement ma casse. Voilà, blague, il est à la région. Il faut qu'on a blé. Blague, il est à la région. C'est-à-dire, que non, ma bénin, ma lème, ma lème. Soit, vous expliquez, on t'a mou par moi. Yaï, nous sommes dans ce yoka. Mais, nous sommes dans ce yoka. Donc, si Trésali Nzambi, Yaï, Mbanou, Yawa, Sila, Nsilulu. Voilà. Voilà, faut donc, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, dans le cas de la Bino, mais Tangoli Kabouane et Komiko Kola, je commençais à faire des recherches. Tout n'a pas ancien, Koko, Papa, ainsi de suite. Il y en a comme comprendre. Or, nous avons préparé une vision et mission Mbangoudoulou. Ok. N'est-ce pas sauvé pour être. Sauvé. Dieu me faisait comprendre ces cantiques pour que nous faire comprendre un peu na bateau. Nous avons source de sanga ba message wana comme ça na pena source de sanga bateau ba comprendre. Moi je comprenais pour faire comprendre aux autres. OK. Voilà donc nzimbo oyo nzambi bisobana opesa ilaka. OK. Ah non la lingala. Wana lingala na français. Dieu nous sommes les enfants de la promesse. Tango to bongoli motema nzamba ko pesa biso bilaka na ko sala bino boyi na ko sala boyi e na tango wana a inspiré biso to bana ko yimba nzimbo oyo ezalaki na 2005 na Brazzaville 2008 na Kinshasa peze ba nzimbo oyo nzambi ya yimba ndo ya sila ntilulu kwa babo ya yimba ndo ya sila ntilulu tusonga nkembo. Tout son kimbo, 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 kimbo,
Bisobano Pesaki Elaka, Moni Sankembo, Moni Sankembo, Kembo na Bailo Sobanzi Melio, Eyao Bisobano Pesaki, Opesaki Elaka. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donne-moi cette chanson. Ah, c'est voilà. 0-89-76-75-8-79. C'est parti pour cette chanson, on se juste après. Voilà, 0-89-66-75-879. Là, c'était la chanson Nzambe Pesa Kibiso Elaka. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Gloire Ketan. Merci beaucoup à Evangeliste Rifan. Azo Pesa Kibiso, ma révélation par rapport à Projet Zanango. Mbangoudou, c'est l'album, c'est le projet. Alors, avec 10 titres. Mais pour aujourd'hui, vu le temps, nous n'aurons pas à mesure de vous donner. Tous les 10 titres de la chanson, il a encore Issa Kinshasa avant de continuer ses courses. Mais, mes campés, au bête, il y a un prochain, il y a un malam. Alors, Nzembo, il y a Kala? Il y a Nzembo, il y a Kala. Il y a Nzembo, il y a presque Nzembo, il y a Kala. Avant tout, il y a Kala. Il y a Nzembo, il y a Kala. La vision, Mbangoudoulou, il y a Nzembo, il y a Mbangoudoulou depuis 1947. Na ils en a RDC, ils en a Angola, ils en a na Congo Brazzaville, ils en a livre moko ya banzim, baye babinga kango
et recueil Kintwadi. Voilà, recueil Kintwadi. On a production à l'Ibosba Salango Awana, ex-Zaïre, na RDC, na ba 1947. Banzimo Toyo Kaka Nzambi Sambula Ntieto, ou tout est mona, on témoakou. Ils ont la 4 à recueil Wana. Ils ont dit Cantique 690. Okay. Ils ont la 4 et puis ils ont appelé volume 1. Il y a album Nabi Somba Ngudulu, et il y a un studio Nabino Aou, Nzembo Oye. Depuis 1947, il y a un livre, mais Bima avant. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le projet pour le Lololo, tout découvrir Nzembo Wana, Nzembo Wana Kala? Voilà. C'est par rapport à l'inspiration, si lire, soit bon, Nzambe. Voilà, au lobby, il y a Nzambe. En fait, c'est Dieu. Il y a un peu de temps, Nzembo Nabi Somba Ngudulu. Mais na 2021, le 21 juillet, Nzambe a passé son message, na passé une mission, a supprimé banze mon abisoté, mais à lobby, na passé une mission. Banze mbo oyanti kumus, banze mbo ezana minoko ya mboka, na passé une mission, bo bongle langa yango, bo limbo la yango, batwa komba ba message na kati ya banze mbo oy. Okay. Je prends un exemple, Nzembo ya Silwa Nzambi. Bakimbangis bayembakango. Avant bana n'importe quel mosala, ils à la prière, ils à la culte, ils à la intercession, ils à la répétition ya bayembi, répétition ba fanfariste, ba banana Nzembo oyo. Ngata Nzamba inspiré nga Nzembo oyo na zakimbangis tete. Pour fona zo Nzembo mobimba na luki ya ngon bakimbangis tebele, ba bika la premier couplet na refrain. La plupart, pas bango nyonso. La plupart ba ibikaka premier couplet, na refrain. Car si loin Zambi ou quand si la, mouki mwana kiamè, te la messe salou kiangou Zambi, tout ça dit les salou kian Zambi, mouki eleka, mouki eleka, mouki eleka, tout ça dit les salou kian Zambi, mouki eleka, enzayan vimba mbangi toa vouluka. Deuxième, la plupart, bah ibite. Troisième, la plupart, bah ibite. Mais tant on a louki yangou Zambi salenga grâce na zu yango, na compose na profondeur yaba message. Ils ont concerné Bisso, Bana Nanzambi, puis Bisso, Basali, Nanzambi. Donc, ils allaient Bisso, ils allaient Nzambi. Nde aïe ko visiter Bisso, après Bisso, na pisimino mission, bo expliquer ngai banzembo oyo, comme ça, ba toba comprendre ba message pour que, tant oyo comprendre message, autant bo la kolandisama message. Voilà. Voilà. C'est tellement riche. Oui. Oyo évangéliste azo pesa biso lelo na premina lelo. Alors c'est juste question de donner seulement les oreilles hein au tie matoi oyo kinzembo na kimanyo soko yo karoti ningo mesalo ka banzembo mes parce que c'est deux langues. Il y a deux langues là-dessus, donc il y a Kikongo, il y a Lingala. Alors frère Sylvain, je sais pas, aux autres adapter facilement par rapport à la langue, par rapport à Bandimbu, soit idée zongi li susu, même bazongi sibso, barrevi biso mémoire par rapport à Neng Marmedagi Akala. Bon, par rapport à Bandimbu, bon, depuis Nde Papa Rifanti Koloba, Nzembo Nde Tito Swande Nzembo ya Nzambi ya Imbandu ya Wansidanti Lolo. Nzembo Wana, depuis 2008, tante Bandi Tuzagina Céline, donc. Groupe Abagen, alors qu'on est au Manzembo Wana. Maintenant, tellement que Dieu est bon, il avait déjà préparé nos esprits à ça. Donc, tant aux Oïmba, on va sentir que ton esprit est vraiment à l'aise. Bien que je suis Luba, mais ton esprit est vraiment à l'aise à chanter à Kikongo. Et puis, c'était pas seulement nous, même à toi, Veni. Bango Nyonso, Bango Sepela Nanzembo. Avenue Oshwe et Nzembo, direction Éthiopie Gambela. Donc, même bah, Ethiopie la Kasavu. Voilà, bah y'a binzem, donc bah zoi facilement bah kany nzem ou bango kibanzem. Pour bah te belé, attendez moi si loin nzem, bah te belé même en akimbangisto. Bah y'a bango juste par plaisir, mais ils ne comprennent pas vraiment le sens de la chanson. Mm-hmm. Beaucoup, bah zambongo. Alors vraiment, ils ont binzem au moko, ils ont mission moko nzem bah pesi, a ebi le pourquoi. Parce que tant nzem bah pesi mission, Nde évangéliste à l'objet de Banzé Monsou Seza ou Tam 1947. Donc, Banzé Mouatan Nzamba Tindi en moto Nzamba Lingi et Banzé Mouana et Betama. Et ça parce que Zana Maloba ou Tchakina Banzé Mouana Lingi et Batuba Sosolé ou Malam Malam.
Okay. Donc vraiment, c'est très, très, très important. Voilà, je crois que nous chitons petit à petit à la fin de cette émission. Mais nous, on va pas se séparer comme ça pour t'apprendre la troisième chanson. Alors, évangéliste, nous avons mis ça tout pour aller au caca. Parce que ils ont projet mon goût aussi sans le loter. Projet auto, mbangoundoulou. Donc, ils ont maman à projet. Oui, vraiment. Dans ce de Kenango, côté là, ils ont le rôle à enseigner mon mobile. Mais du côté ce qu'on dit, ok, on a un livre, on a un recueil, on explique tala. Alors, troisième chanson, tu as chansonné. Bon, tout ça, Nzambi Sambula, Nzieto Nzambi, Sambula, Nzieto Nzambi, Nzambi, Sambula, Pambula, Nzieto. Éternel Dieu du ciel et de toute la terre. Donc, on attend que je te clôture l'émission, on va pas d'abord cette chanson, on s'en juste après. Réponds dans cette nation ta véritable et grande lumière. Visite dans toute ta gloire le Congo. Établis dans cette nation le trône de ton règne et de ta visitation divine. Accomplis et manifeste pleinement tes merveilleuses promesses et ta parfaite volonté. Zambi Sambula Nzieto. Sambula, Utu, Sambula.
Voilà, de retour dans ce studio de la RTL 101.0. Nzambi Sambilentito. Ce sont des chansons de très longtemps, ça datait de longtemps, qu'on écoutait souvent dans des églises, dans des écoles. Moi, je pense que Papa Jaime Luta dit la gloire qu'Etani, on s'est retrouvé par rapport à ces chansons. Nzambi Sambilentito. Hein? C'est des vieilles chansons. Toyogaron Kala Kala. Mais Papa Rifin a Zung Sibisusu. Alors, un petit commentaire par rapport à cette chanson. Voilà, merci. J'aimerais donc dire par rapport à la vision, c'est normal, nous sommes les instruments de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui peut-être veut nous ramener sur les rails de sa volonté. Parce que ce sont des cantiques que les gens ont reçus par inspiration. Frère FM, comme on vous appelle, les gens qui ont reçu ces cantiques-là, en tout cas, ne les ont pas reçus pour que, en fait, pour leur propre gloire. En tout cas, c'était pour la gloire de Dieu. C'était des gens qui brûlaient dans la prière, qui brûlaient dans la sainteté, en tout cas, qui étaient véritablement consacrés à Dieu sans intérêt aucune. Et donc, le Saint-Esprit les utilisait avec puissance. Voilà pourquoi ces cantiques-là, jusqu'aujourd'hui, sont puissants. Et donc, c'est... Pour revenir à ce cantique est une prière. Il y a le sang qui a été écolo. Il y a un sang qui a été écolo. Pourquoi? Parce que le sang qui a été écolo, si je prends l'exemple de la RDC, les autorités du monde peuvent nous bénir. Les organisations internationales peuvent dire des bonnes paroles. Ça ne changera jamais considérablement le Congo. Mais si Dieu parle, ce qui nous a fongoli lola, le Congo sera béni, le Congo sera transformé, parce que Dieu va directement toucher les cœurs. Donc, nous avons dit que chacun a son rang, Izala, Aza, politicien, Izala, Aza, Mossal, Yanzambe, peu importe, Azo, Bela, Nzambe, Nzambe, Yako, Pambola, et Kolo, Nabiso. Donc voilà, c'est un peu ça. Ils allaient prière, il y a intercession, mais ils allaient prière, il y a supplication pour Naïkolo. Et moi, j'aimerais que Bahi Congo, surtout la partie française, pour Bazo, mon qui Congo, ils allaient passer pour Nabango, Bahi Banzimo. Regarde par exemple le premier couplet. Ô Dieu notre Père béni, le Congo, répands sur nous, Père, ta lumière, exauce nos prières. Dieu d'amour, réponds sur nous ta bénédiction, ô Père, bénis-nous. C'est ce que dit le premier couplet, exactement. Puis dans Zimbo, tu sais, dans l'Ipamboli, l'Ikolo ya ba Konzi ya Mboka, l'Ikolo ya ba étranger, ba mama, ba tata, ainsi de suite. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ça en est fini pour cette émission. Et monsieur Sinango, oui. On a voulu continuer, mais les médias, c'est le temps. Oui. Alors, un petit message, peut-être un projet. Quel est le programme, soit Papa Sylvain, à Ropé Sabiso, parce qu'il y a un Kinawa, à Zokordo, le Marmignon. Alors, Nangamono, programme sur les animes. Bon, Nangamono, je veux continuer à parler de ce volume 1. Il y a l'album Bangoudou. Les animes disponibles sur notre chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Ok. Donc, tu as besoin de Nyonso. Il y a volume 1 et Bangoudou. Bah, il y a YouTube, la chaîne La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Bakozoa. En fait, il y a 10 titres. Il y a un titre, moi, tu aimes, il y a deux rythmes. Rythme et adoration, rythme, il y a Louange Bangoudou, il y a Yikama. Donc, il y a, je vais dire, 11 titres audio, n'a 3 clips dont les gens vont télécharger et puis pour écouter. Mais non, en dehors, il y a la chaîne YouTube, ils peuvent nous contacter via le WhatsApp, il y en a deux, celui du frère Sylvain et le mien que je vais donner, donc plus 242 05 744 81 08, plus 242 05 744 81 08. Il y a aussi Facebook, l'évangéliste Rome. Donc, Romwana, Ruffin, Olivier Mougani. C'est très tout. Bien, très et bien. Donc là, les gens peuvent nous contacter pour même avoir le fichier PDF du recueil Mbangoudou, le volume 1, pour que Bazana ba texte Bahi Mbango facilement. Voilà. Très bien. Alors, Frère Sylvain,
moi quelques minutes par rapport au programme. Ah, vous êtes coordonnateur ici, collaborateur, il y a Papa Rifin. Qu'en est-il à Blomsous? Bon, avant la piste de programme, bon, on a dit qu'on a martelé dans le camp de Papa Rifin sur Koloba. Parce que dans mon canal, il y a Acte chapitre 16, verset 25. Il y a besoin de s'habiller sur Paul et Silas, tombe à Kanaki Bango. Alors, Paul et Silas chantaient des louanges des dieux. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il y a des chansons où il y a vraiment un Nzambe, où il n'y a pas un Nzambe, mais il y a une chanson qui est un Bango Doulou. Donc, je vais seulement demander à tout le monde, à tous les auditeurs, vraiment de consommer ces cantiques sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment gratuit, donc facilement à télécharger. YouTube, chaîne Abissokobonango, la voix de la parole du Tout-Puissant. Au côté, pour télécharger, ou soit, au côté de Abisso, na numéro plus 243 89 521 77 76. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez, soit vos yeux, contactez-moi. Exactement. Vous allez servi dans le programme Nyos. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre passage dans cette émission. Merci. Merci beaucoup, frère Sylvain, évangéliste Rifin. Merci. Ça me fait plaisir. Moi, je salue maman Déborah, maman pasteur Déborah. Mm-hmm. Nous aurons ici pour que tu aies ma serviteur en Zamboba, les gars. Je crois que Eza et Alibosu Teza, Pia Soukate. Alors, on va encore. Thank you.
sein. Christ, oh, la paix du Christ.